der Völkerstreit und der Hass untereinander. Er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf dem sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. وأقولها ليهود علنا لقد آن أوان ذبحكم لقد آن أوان قتالكم لقد آن أوان قتلكم وإنا بإذن الله لها نحن والمسلمين الصادقين المخلصين Cette carte représente les zones de dispute territoriale à travers la planète. La Chine, par exemple, occupe le Tibet. La Turquie s'est emparée d'une partie de l'île de Chypre. Le Maroc et la Mauritanie revendiquent le Sahara. Il est pourtant rare d'entendre parler de ces conflits, alors que la dispute entre Israël et les Arabes de Palestine fait régulièrement la une des médias, entraîne des condamnations systématiques aux Nations Unies et des manifestations appelant au boycott de l'État juif. D'attentats terroristes en représailles, les peuples souffrent. Il semble que ce conflit soit sans issue, tandis qu'une partie du monde occidental soutient la cause palestinienne. Une cause qui est maintenant devenue une mode, avec son vocabulaire spécifique, ses tenues vestimentaires, ses rituels. Pourtant, la cause palestinienne intéresse beaucoup moins quand, par exemple, la ville palestinienne de Yarmouk, en Syrie, est attaquée et bombardée par le régime d'Assad. Personne ne s'est non plus vraiment inquiété des victimes palestiniennes lorsque, en 1970, les armées jordaniennes et syriennes se livrèrent à un massacre entraînant la mort de 25 000 personnes, selon l'OLP. Quand des Arabes attaquent les Arabes, les rues des villes occidentales restent vides. La cause palestinienne ne parviendrait-elle à fédérer que dans un seul cas, lorsque les Juifs sont impliqués? Serait-il alors possible que les médias, les Nations Unies et les militants soient davantage anti-israéliens qu'ils ne soient pro-palestiniens? Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette région finissent par accepter la version arabe, selon laquelle les Juifs auraient envahi et volé un pays appelé Palestine. Ce n'est pourtant pas faute pour certains dirigeants de l'OLP, tels Zohar Mohsen, d'exprimer leur connaissance des faits. Le peuple palestinien n'existe pas. La création d'un État palestinien n'est qu'un moyen de poursuivre notre lutte contre l'État d'Israël pour l'unité arabe. En réalité, il n'y a pas de différence entre Jordaniens, Palestiniens, Syriens et Libanais. وجذورهم مصرية جذورهم مصرية مصرية قد يكونوا من الإسكندرية من القاهرة من دمياط من الوجه البحري من أسوان من 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 الصعيد نحن مصريون نحن عرب نحن مسلمون نحن منكم. Au milieu du 19e siècle, de retour d'un long séjour dans la région de Palestine, un certain Karl Marx publia l'article suivant dans le New York Herald Tribune. La population sédentaire de Jérusalem compte à peu près 15 500 âmes, parmi lesquelles 4 000 musulmans et 8 000 juifs. Les musulmans d'origine turque, arabe ou maure sont bien sûr les maîtres dans chaque aspect de la vie quotidienne. Rien n'égale la souffrance des juifs à Jérusalem. Ils sont l'objet constant de l'oppression et de l'intolérance musulmane.
À la même époque, Mark Twain écrivait : Il n'y a pratiquement aucun arbre ni arbuste. Même les oliviers et les cactus, ses amis des terres arides, ont quasiment déserté la région. D'où vient donc ce mythe d'une terre volée ? Et pourquoi les conflits entre Israël et ses voisins arabes entraînent-ils autant de passions ? En 1947, les Nations Unies partagèrent ce qui restait de la Palestine mandataire, dont la Jordanie occupait déjà 70% du territoire. Les Juifs acceptèrent, les Arabes refusèrent et attaquèrent Israël, espérant jeter les Juifs à la mer ou les exterminer. Personne ne s'attendait à ce qu'Israël gagne la guerre. En 67 et 73, les pays arabes tentèrent de nouveau de détruire l'État juif. واسحقوا واذبحوا وغدا غدا سنقذف بجثث الصهاينة الدنسة في البحر وخارج مياهنا الإقليمية لتحملها أساطيل واشنطن ولندن هدايا لجونسون وويلسون. Leur défaite militaire les conduisirent à adopter une nouvelle stratégie. Utiliser la diplomatie et la pression du pétrole pour parvenir à leur fin. Car une terre conquise par l'islam doit à jamais appartenir à l'islam. Islam, according to its own view, came to the world to replace Judaism and Christianity, not to live side by side with them, because Islam, according to its own terminology, it's din al-haq. Means religion of truth, while Judaism and Christianity are din al-batil, religion of falsehood. Islam from the beginning was under the doubt whether it is an original religion or it is a copy and paste of Judaism and Christianity. According to Islam, a Jew has the right to live as dhimmi. The mere existence of Israel, and especially the rule over Jerusalem, and what we do in the Temple Mount, for them it means the Judaism comes back to life, and this is a threat on the mere existence, on the raison d'être of Islam. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. اللهم عجل بيوم يهود يا الله اللهم عجل بيوم قتلهم اللهم عجل بيوم قتالهم اللهم عجل بيوم ذبحهم. En 1929, un imam intégriste, Hassan al-Banna, fonde en Égypte la Société des Frères Musulmans, aujourd'hui reconnue comme organisation terroriste. Son but ? Lutter contre l'influence séculaire de l'Angleterre et de l'Occident. Très rapidement, al-Banna se lie avec Hajj Amin al-Husseini, grand moufti de Jérusalem, déjà responsable des émeutes meurtrières de 1920, dont il partage la haine religieuse pour les Juifs. Les discours d'Hitler ont convaincu al-Husseini que les nazis seraient des alliés idéaux contre l'occupation anglaise et le judaïsme mondial qu'ils rêvent d'annihiler. Dès 1933, al-Husseini établit un contact avec le consul allemand à Jérusalem. Cette même année en Syrie, Anton Saada, surnommé le Führer syrien, crée son parti social nationaliste, Izzan Kahmi al-Souri, dont le drapeau ressemble étrangement à la bannière nazie.
En Égypte, Ahmad Hussein fonde le parti Jeune Égypte, Misral Fatah, dont le slogan est « Un peuple, un parti, un dirigeant », identique à celui du parti nazi, le tristement célèbre « Ein Volk, ein Reich, ein Führer ». Derrière ces alliances entre le monde arabo-musulman et l'Allemagne nazie, on retrouve chaque fois le grand moufti. En 1938, Alfred Rosenberg, idéologue du parti nazi, écrivait « Plus le brasier se maintient en Palestine, plus se renforce l'opposition en État juif dans tous les pays musulmans. » Selon les archives allemandes, saisies par les alliés à Flensbourg, c'est avec de l'argent nazi qu'Al Husseini déclenche en 1936 une révolte arabe qui va entraîner le massacre de centaines de juifs, notamment à Hebron. وتذبحوا اليهود بايديكم زي ما ذبحناهم في الخليل ان شاء الله بتذبحوهم. Le prétexte de ces massacres, les juifs s'apprêteraient à détruire la mosquée Al-Aqsa. Un mensonge repris régulièrement depuis par Yasser Arafat et Mahmoud Abbas. ولكن لو اتيح للاسرائيليين اكثر من هيك لقاموا باكثر من هيك وهدموا الاقصى. En 1938, alors que la montée du nazisme rend l'immigration juive en Palestine plus urgente que jamais, Al Husseini continue de déstabiliser la région pour que l'Angleterre y mette un frein. La publication du livre blanc anglais ouvrira grand les portes de la Palestine aux immigrants arabes, tout en bloquant l'arrivée des juifs au désespoir d'échapper aux camps de concentration. Tandis que la guerre fait rage et s'étend à toute la planète, Haj Amin est accusé de trahison par les Anglais et s'enfuit en Irak, où il participe à un coup d'État en faveur de son protégé, Rachid Ali Al-Khaleini, un nazi dans l'âme, tout comme lui. Ensemble, ils déclenchent le Farhoud, un massacre organisé des Juifs d'Irak. Après de nombreux échanges avec les principaux dirigeants nazis, dont Himmler, dont il devient l'ami, c'est en 1941 que le grand moufti est enfin reçu par Hitler. La condition précise de notre collaboration avec l'Allemagne était l'entière liberté pour éliminer les Juifs jusqu'au dernier, de la Palestine et du monde arabe. J'ai demandé à Hitler son accord explicite pour nous autoriser à résoudre le problème juif. La réponse que j'ai reçue fut « Les Juifs sont à vous ». Les nazis lui octroient une luxueuse villa de la rue Klopstock qui abritait une école juive jusqu'à sa confiscation en 1939, ainsi qu'une pension confortable qu'il touchera jusqu'à la fin de la guerre. En contrepartie, il se voit chargé de la propagande radio en arabe, de l'espionnage au Moyen-Orient et l'organisation des musulmans en unité militaire. Cette division de musulmans bosniaques, établie avec l'aide de la Grande Allemagne, est un modèle pour les musulmans de tous les pays. L'Allemagne nazie lutte contre la juiverie mondiale. Le Coran dit « Vous verrez que les juifs sont vos pires ennemis ». En 1942, Eichmann informe le Mufti des méthodes qui ont été mises en place pour la solution finale, autrement dit, l'extermination des Juifs. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das fragt ihnen jede Parteigenossen. Ganz klar steht in unserem Programm drin. Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir. Ha! Gleichigkeit. Très impressionné,
le Mufti demande que soit mis à sa disposition un conseiller pour l'aider à implanter les mêmes méthodes en Palestine, une fois la guerre gagnée par les nazis. Son plan ? Créer des crématoriums géants, comme ceux d'Auschwitz, près de Naplouse, pour y massacrer les juifs de Palestine et de tous les pays arabo-musulmans. Lorsqu'en 1943, Eichmann envisage d'échanger des prisonniers de guerre allemands contre 5000 enfants juifs et de les envoyer en Palestine avec l'accord du gouvernement anglais, Husseini proteste et obtient finalement que les enfants soient exterminés dans les chambres à gaz. En 1944, alors que l'Allemagne a presque perdu la guerre, le Mufti convainc les nazis d'organiser l'empoisonnement massif des Juifs de Palestine. Un commando est parachuté au sud de Jéricho, mais il est dénoncé aux forces anglaises par les Bédouins et son leader, Kurt Wieland, arrêté. Après la défaite de l'Allemagne, le Mufti est emprisonné en France, puis rapidement libéré grâce à l'intervention de son ami de toujours, Hassan al-Banna. Son influence antisémite ne s'éteint pas avec la victoire alliée. Le Mufti trouve refuge en Égypte, où il est accueilli en héros national, tandis que la Ligue arabe fait pression sur l'Occident pour qu'il ne soit pas jugé pour crime de guerre. En 1948, et jusqu'à sa mort, il continue de militer contre Israël et d'appeler à l'extermination des Juifs. Parmi ses proches se trouve son neveu, Mohamed Abdel Raouf Arafat al-Qaida al-Husseini, un Égyptien né au Caire qui ne tardera pas à faire parler de lui sous son nom de guerre, Yasser Arafat. Le virus de l'antisémitisme est déjà largement répandu dans le monde musulman. Mais le phénomène s'intensifie avec la conversion massive d'anciens nazis à l'islam et le refuge de plusieurs dignitaires nazis de haut rang dans les pays arabes, notamment en Syrie et en Égypte. Des officiers nazis entraînent les fédayim au terrorisme, les méthodes de propagande de Goebbels sont largement employées. Mais le monde a changé après la guerre, et un nouveau totalitarisme, tout aussi meurtrier que le nazisme, a commencé à se répandre. De même que le nazisme, le communisme soviétique a besoin du soutien des pays arabo-musulmans. Après avoir soutenu le partage de la Palestine mandataire, Staline se retourne contre les Juifs. Ses successeurs poussent les pays arabes au conflit contre Israël. En 1964, l'idée d'un État palestinien et d'un peuple du même nom, rejeté jusque-là, venait de naître dans le cerveau de Yasser Arafat et du président de l'Égypte, Abdel Gamal Nasser, avec l'aide du KGB. Son objectif, non pas offrir indépendance et prospérité à un peuple, mais retourner l'opinion mondiale contre Israël. En 1976, un ancien nazi, Kurt Waldheim, est devenu secrétaire général des Nations Unies. Sous sa direction, la pression du monde musulman et celle des pays communistes, l'Assemblée générale vote une résolution assimilant le sionisme à une forme de racisme. A great evil has been loosed upon the world.
Now I should wish to be understood, that I am here making one point and one point only, which is whatever else Zionism may be, it is not and cannot be a form of racism. C'est une victoire provisoire pour les Palestiniens, désormais soutenus par deux camps. Les nostalgiques de l'Allemagne nazie et l'extrême gauche. Definitely, most definitely, we oppose a Jewish state in any part of Palestine. La résolution est annulée en 1991. Récemment, Mahmoud Abbas, dont l'antisémitisme et le double langage ne sont plus à démontrer, a tenté de restaurer cette ancienne résolution. قام عدد من الحاخامات في إسرائيل وأعلنوا إعلانا واضحا مطالبين حكومتهم بتسميم المياه لقتل الفلسطينيين أليس هذا تحريضا؟ À travers le monde, la cause palestinienne est devenue le symbole d'un peuple opprimé par les Juifs. Goebbels avait coutume de dire « Si un mensonge assez gros est répété assez souvent, les gens finiront éventuellement par y croire. » أريد أن أنوه أنها كانت أكذوبة نعم هي كانت أكذوبة وتآمر كثير من الإسرائيليين أو من اليهود مع هتلر. The satanic Jews that control everything and mostly everybody.